ta. Bah ouais ma gueule gros, on a trop de niveau. Frérot sur GTA, on les met tous KO. Bah ouais ma gueule gros, on a trop de niveau. Frérot sur GTA, on les met tous KO. Ne me fais pas la tête ma chérie, ça sert à rien. Monte dans le bolide, on va tourner comme ça. Et yo la team, c'est JL Mowgli, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors ça serait une vidéo les gars pour vous expliquer un énorme glitch sur GTA 5 Online en 1.52 après la mise à jour du caillou Ferreco. Avant ça les gars, c'était pour vous dire le compte le bill est toujours en jeu. Voilà, alors les gars, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Vous spammez dans l'espace des commentaires ce que vous voulez. Très bien ta vidéo, vous marquez 1, 2, 3, la date de votre anniversaire, voilà, vous marquez ce que vous voulez, même votre âge, voilà, vous marquez mais vraiment ce que vous voulez dans les commentaires, tout ce qui voit cette vidéo, les gars, je vous demanderai s'il vous plaît de mettre un commentaire parce que il faut que cette vidéo soit référencée, voilà, aussi pour le compte lobby, les gars, c'est vraiment très simple, comme d'habitude, je vais pas vous faire tous les jours des blabla pour le compte lobby, juste vous rendez sur mon Instagram qui s'affiche à l'écran, vous abonnez, vous m'envoyez un message, j'ai tout fait, et voilà les gars, normalement c'est carré. Alors pour ce glitch les gars, vous allez vous rendre où j'ai mis un point, voilà, sur la map, vous allez vous rendre ici, voilà. Moi pour ma part les gars, je vais vous laisser en accéléré, voilà, parce que sinon la vidéo encore elle va prendre trop de temps et moi c'est pas mon but, voilà, c'est pas mon but que la vidéo elle fasse 10 minutes, voilà, même si elle a double monétisation, voilà, c'est pas mon but les gars. Alors je fais un accéléré. Dès que vous êtes arrivé à destination, voilà, vous allez garer votre véhicule, vous allez prendre la Karen Futo, ça sera ce véhicule ici. Il faudra pas prendre un autre véhicule que celui-là, ça sera vraiment ce véhicule, voilà, parce que sinon avec les autres véhicules ça marchera pas. Après, vous allez prendre, vous allez plutôt directement vous diriger vers le Los Santos Custom le plus proche. Moi pour ma part, c'était le Los Santos Custom vers l'aéroport de Trevor. Dès que vous êtes arrivé devant le Los Santos Custom, vous allez détruire le véhicule. Moi, pour ma part, j'ai pris voilà, l'arme et j'ai détruit le véhicule avec. Voilà, j'ai même tué un PNJ au passage. Voilà, vous devez rentrer après dedans. Vous allez réparer le véhicule. En fait, les gars, vous allez faire des améliorations. Et normalement, il faut que le véhicule, quand vous allez faire vendre le véhicule, il faudra que le véhicule ne dépasse pas les 11 000 $. Et ni qui sera en dessous de 10 000 $. Voilà. Par exemple, 10 500 ça marche. 10 999 ça marche. Voilà. Mais pas plus de 10 999 ou moins de 10 000. Voilà, vous m'avez compris les gars. Après, vous allez vous diriger directement vers un bâtiment. Moi, pour ma part, je me suis dirigé vers mon bunker. Voilà, je fais encore un petit peu des accidents. Bon, c'est pas grave. Et là les gars, vous allez en fait, dès que vous ouvrez la portière, vous devez directement atterrir sur le rond. Voilà, le rond de chargement pour entrer dans le bunker. Vous allez rester 10 secondes dans le bunker jusqu'à ce que vous avez le rond de chargement orange. Voilà, c'est la save, ça s'appelle, voilà. Ou sinon, si vous ne l'avez pas au bout de 10 secondes, bah, vous allez directement changer de tenue et normalement, vous allez l'avoir directement. Après, vous allez vous rendre vers une route la plus proche pour trouver un véhicule, voilà. Parce que je vous déconseille de le faire à pied, ça va vous prendre 1 à 2 heures. Voilà. Que si vous prenez un véhicule, ça va vous prendre entre 5 à 10 minutes normalement. Dès que vous êtes arrivé sur la route, vous allez prendre un véhicule de PNJ. Les zones à ne pas dépasser, c'est celle-là que je vous ai montré.
faites pause, voilà, vous allez faire pause sur la vidéo pour regarder, voilà, vraiment les zones à ne pas dépasser. Moi, pour ma part, le véhicule, vous devez le chercher dans les parkings. Moi, pour ma part, j'ai pris de 8h20, c'est dans le jeu, voilà, les gars, de 8h20 à 9h20 pour le trouver, c'est environ 5 à 10 minutes, voilà, normalement, c'est très rapide. Voilà, peut-être c'est même 2 minutes, voilà, je sais pas c'est combien les horaires, mais voilà, normalement, c'est 5 à 10 minutes. Dès que vous avez trouvé votre véhicule, moi, pour ma part, je l'ai trouvé sur le parking du supermarché. Vous allez prendre un deuxième véhicule du PNJ, voilà. Et vous allez bloquer les portières. Je vous déconseille, les gars, de... Et même, c'est... Voilà, vous devez pas appeler un véhicule personnel. Parce que sinon, les gars, ça va vous le faire despawn. Voilà, votre véhicule. Même si c'est un véhicule de PNJ, ça va vous le faire despawn. Hop, et normalement, moi, j'ai appelé pour parce que Lester, parce que j'avais volé le véhicule de PNJ. Et normalement, les gars, dès que vous allez appuyer sur triangle, vous allez vous rentrer directement dans le véhicule sans ouvrir une portière. Après, dès que vous êtes arrivé devant le Los Santos Custom, voilà, vous allez rentrer. Après, vous allez faire rond, vous allez attendre 2 secondes, vous allez faire rond, attendre 2 secondes, vous allez faire rond et attendre 2 secondes. Voilà, les gars, vous devez faire 3 fois rond et attendre 2 secondes. Après, vous allez re-rentrer dans le Los Santos Custom, mais les gars, il faut être très rapide pour faire ça. Voilà. Vous attendez qu'il s'ouvre et directement, les gars, vous allez faire start. Voilà, en ligne. Et vous allez sur pack d'entrée dans le monde criminel. Voilà. Ici, je ne vous ai pas fait un accéléré pour suivre. Voilà, pour comme ça, vous allez suivre en même temps que moi. Après, vous allez cliquer sur le lien. Après, vous allez faire croix. Vous allez faire rond, rond, rond. Et là, normalement, ils vont marquer appuyer sur une touche. Par exemple, ça sera triangle ou accéléré pour entrer. Et voilà, normalement, après, vous pourrez vendre votre véhicule. Normalement, il y aura marqué 10 000 et quelques dollars. Voilà. Vous allez faire XX pour le vendre. Et normalement, vous avez empoché 298 000, etc. Voilà. Vous pouvez empocher entre 200 000 et 500 000. Voilà, pas plus. Moi, pour ma part, j'ai empoché, on va dire entre guillemets, 300 000 dollars. Et pour sauvegarder votre argent, parce qu'elle part, voilà, elle part à 100%. Si vous faites pas une manip pour sauvegarder, vous devez acheter par exemple un habit ou un encas. Voilà, il faut que vous achetez ce que vous voulez ou même un véhicule, par exemple un Fadio ou autre chose. Voilà, sur le truc. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura servi. Voilà, moi c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse juste sur la fin pour vous montrer comment sauvegarder. C'était JL Mowgli. Prenez soin de vous. Bye. Peace.